راديو ريسون يقدم الضفة هذه الشيخ شوق عزيز كرباني علي ابراهيم ريسون عباس اخويا ونا سولوزا الشاب نور الدين وليدة تيريكو محمد اوتراموند ناس باريس ناس مارسيف ونا يعقوب وكاع وليدات الغربة والله يرحمنا اللي ماتوا Le foot, ça fait du bien de se retrouver dans un environnement comme celui-là, loin de là. Ouais, franchement, c'est un cadre idéal. Ça aide pour l'équilibre. Ouais, ça aide vraiment pour l'équilibre. Ça coupe vraiment du foot après. Franchement, c'est magnifique d'être ici. Je suis très content d'être en Angleterre. Parce qu'avant d'arriver ici, je savais pas que c'était comme ça l'Angleterre, mais là, je suis très heureux d'être ici. C'est vrai que c'est une jolie petite ville portuaire. En plus, même dans le club, on sent qu'il y a une ambiance entre les joueurs. On sent que c'est bien, il y a une amitié, on vous voit. C'est le contraire du club professionnel comme on l'entend. C'est le côté positif du club professionnel. Ouais, ici, c'est une culture différente, le foot ici. Il y a beaucoup de choses qui changent, comme la préparation des matchs ou même être avec les joueurs au club. C'est vraiment, il y a tout qui change. C'est vraiment magnifique d'être ici parce qu'on est considéré comme des joueurs professionnels. Et voilà, on sait vraiment ce qu'on a tous à faire. Et voilà, maintenant, on est très heureux. Personnellement, je suis très heureux d'être ici. Il y a beaucoup d'autres Français dans mon équipe et...
Et grâce à eux, mon adaptation, elle était plus facile parce que la langue, c'est un barrage. Et grâce à mes coéquipiers, voilà, c'était plus facile pour moi et je suis très heureux d'être ici. J'espère progresser encore un peu plus. Oui, pour moi qui n'ai pas trop l'habitude, tout à l'heure quand je t'attendais dans le clubhouse, tu es assis en train de boire ton café, tu as Kraus qui rentre normal, il serre la main à tout le monde, tu as Defo, tu as Bellage, tu as Kaboul, tu as plein de gens comme ça qui arrivent. Il y a vraiment, ça se voit, c'est une famille quoi, c'est pas... Ouais, c'est un club familial où on est, il y a des très très grands très joueurs, grands joueurs mais qui ne se prennent pas la tête. On est beaucoup d'internationaux dans l'équipe et voilà, on se prend pas la tête bien sûr, on se respecte et voilà, les joueurs ils se prennent pas la tête, on est là pour jouer et on est content de se retrouver et voilà, on fait notre travail et après voilà, voilà maintenant je suis content d'être ici et voilà, j'espère Inch'Allah que ça va continuer comme ça. Bah, tu me diras quand un joueur c'est dans la tête, on voit que tu es content ici quand on voit tes performances sur le terrain, c'est tout marche ensemble. Bien sûr, ouais. De toute façon, on sait très bien pour un footballeur, quand ça va dans la tête, ça va au foot. Même si on est le meilleur du monde, on a des soucis dans la tête, ben ça va pas, ça se ressent sur le terrain. Non, ouais, là, ben mon niveau, il revient comme j'étais avant. Parce que aussi, j'étais dans une situation délicate à Lens. J'étais en instance de départ et c'était difficile le mercato. J'ai pu partir juste la dernière journée en prêt. Et voilà, je suis très heureux d'être venu en Angleterre. Il y en a beaucoup qui ne m'avaient pas parlé d'Angleterre, mais quand on ne voit pas de nos yeux, on ne peut pas savoir. Mais ici, c'est une bonne culture, on ne prend pas la tête. Et même le public, c'est magnifique. J'espère que tu auras l'occasion de le voir demain. Inch'Allah. Tu verras bien que ça n'a rien à voir avec d'autres championnats. Et je voulais juste une dernière question. C'est un arrêt, le bateau, il vient nous chercher nous là ou quoi là, derrière? Non, il passe ici, tranquille, c'est un bateau de croisière. Il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances ou qui viennent faire une escale ici. Et voilà, ici c'est une bonne ville voilà, pour visiter. Et c'est très très bien. Ah oui, ça, moi j'ai vu ça en hiver tout à l'heure, le centre-ville, mais en été ça doit faire quelque chose ici. Ouais, je ne l'ai pas encore connu en été, mais il y a eu beaucoup de jours, où il a fait beau. Et franchement, c'était vraiment magnifique. C'est un bon cadre de vie. Et voilà, je suis très heureux d'être ici. On est heureux nous aussi, merci. Merci.